Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit, sur metatv.org, c'est la saison 2. Et ce soir, on est là avec François d'Angléans. Bonsoir François. Bonsoir. Et avec Cauchemar de la Razia. Ne sortez pas. Bonsoir, bonsoir à tous les métanautes, évidemment, connectés à l'offre et futur, buraliste, patriote, papatroll, Lucifer, Erre Nuit Alien, Elmissard, Metal LOL, Cyrine, Libertad, etc. Bonjour à tout le monde. Ce soir, on va parler et revenir sur cette affaire Bourarache, l'affaire Saïd Bourarache. Donc, on avait déjà consacré ici plusieurs émissions sur ce thème. On avait fait plusieurs interviews, on avait couvert aussi les concerts. Voilà, il y a eu des Les événements. différents événements. Voilà, vous avez fait des événements à la Main d'Or, des concerts. Donc, cette affaire Bourarache, c'est quand même une. Pour revenir, on va dire, réexpliquer un peu l'affaire. Donc il s'agit d'un meurtre, hein, clairement, je crois. Non. Alors c'est pas défini encore, donc Voilà. on ne peut La pas encore loi parler de meurtre. Alors la loi ne permet pas, voilà. Donc, Exactement. pour le moment, il y a eu le décès en tout cas C'est une personne. d'une personne. Et on peut mettre le micro si tu veux parler. Et on n'a pas encore identifié, on va dire précisément les causes. On présuppose en tout cas qu'il s'agit d'un homicide. Hein, puisqu'il. Voilà, sans, c'est là pour l'instant ce qui a été retenu, le qualificatif, c'est violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec menace et ou usage d'armes. Voilà. D'accord. Donc il y a où il y a le ou pour l'instant, c'est pas et. Je sais pas si c'est le qualificatif normal. Donc Donc les toujours faits les pour lesquels les circonstances. auteurs pour le moment sont poursuivis, c'est cela quoi. Ça a été qualifié de Voilà. cette façon-là. Et Saïd Osiris serait mort au motif d'un choc émotif provoqué en fait par la rixe et donc d'un choc psychologique, voilà, de pression psychologique. Voilà, c'est ce qui l'aurait conduit à sauter dans l'eau et ce qui aurait causé sa mort en fait. Donc c'est un motif inédit pour l'instant dans la justice française. D'accord, un choc psychologique. Alors pour un peu pour comment dire réexpliquer l'affaire, donc Saïd Bourarache, il travaillait dans comment dire, un grand magasin. En fait, il était agent de Agent de sécurité pour sécurité. une société de protection D'accord. Qui devant, sous-traitait pour voilà, le une grande mal, chaîne. D'accord. exactement. Et ensuite, donc des gens se présentent en fait à la fermeture, À c'est la ça. fermeture du magasin. Il les laisse pas rentrer, normal, puisqu'il est l'heure de fermer. Ces gens-là le menacent, c'est ça, ils Ils repartent, s'insultent, ils apparemment, s'insultent. ils se seraient insultés mutuellement. D'accord. Et s'en est suivi une rixe Ouais. et d'autres individus ont été appelés En enfin, renfort, c'est ça, qu'ils sont revenus en après. renfort et des menaces ont été proférées Et puis je crois qu'ils s'en sont également. pris à On va son revenir, chien tu vas voir, dehors, on et va lui, te il est tuer. sorti du magasin, c'est ça, il a Voilà, eu. quand tout le monde est revenu, donc Saïd et un de ses collègues sont allés se réfugier à l'intérieur, il a dû laisser le chien dehors parce qu'il n'avait pas le droit de le faire entrer, le patron refusait de laisser rentrer le chien. Et quand il a vu qu'il menaçait de tuer son chien, il est sorti de là, grosse bagarre. Et Saïd n'a d'autre choix que de s'enfuir. Et il est retrouvé le lendemain, mort dans le canal, son chien à ses côtés. Voilà. Qui veillait le corps de son maître au bord de l'eau. Voilà. Ou je ne sais plus si elle était dans l'eau exactement, c'est un détail. On l'a retrouvé en fait dans le canal qui passe à Bobigny, c'est Voilà. ça, derrière. Eux, ils disent qu'ils l'ont vu sauter et nager. Donc, eux, ils l'auraient vu nager encore dans l'eau après la bagarre, la grosse bagarre, hein, donc des coups de cric, sûrement, parce qu'on a vu le nombre d'hématomes, des coups de poing, des coups de pied, du gaz lacrymogène. On a parlé d'abrasion de taser. Voilà, c'est quand même plus que violent. Hein. Ouais, puisque des menaces. Et alors dans cette affaire, ouais. Ah, il faut que je me mette l'autre côté. De ce côté-là. Voilà. J'entends pas. Là. Alors. Alors,
Il se fait donc c'est quand même une affaire absolument incroyable. C'est quoi les conséquences? Parce que les auteurs, visiblement, ils ont été identifiés, pas identifiés. Il se passe quoi concrètement dans le dossier maintenant? Donc, bon, pour l'instant, ça a été des morts par noyade, pour l'instant, officiellement. Donc, parmi les personnes qui étaient présentes ce jour-là, toutes n'ont pas été, comment on dit exactement, n'ont pas été, Identifié? non, elles ont tous été, non, Mis en elles cause. étaient mises en cause, voilà, exactement. Donc, déjà, bon, moi, je trouve ça surprenant. Je pense que tout le monde se poserait à peu près. Peut se dire cela, hein. C'est quoi? Je crois que c'est ça, il y a 5-6 personnes et il Il n'y y en a a que six 2 qui personnes ou sont sept, je sais. vraiment Il y aurait six ou sept poursuivis. personnes et il n'y Ah, en a que 6 ou 7, quatre d'accord. qui ont été D'accord. poursuivis. Voilà. Et deux qui ont fait des peines de prison. La détention Détention provisoire. provisoire, voilà. Et qui voilà, puis en plus détention provisoire, mais là ils sont sous contrôle judiciaire, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe pour Alors eux? ça, exactement, Ils vont ça faudrait comparaître libres à demander, je l'audience? pense. C'est Comment ça? ça? Oui, je pense, oui. Voilà, ils sont sous contrôle pour l'instant. Normalement, ils ne peuvent pas quitter le territoire déjà. Voilà, Voilà. mais à l'époque déjà, il semble qu'il y avait eu alors je sais pas comment on pourrait dire ça, des Des rumeurs ou des informations. Des informations, informations. voilà, comme quoi ces personnes-là auraient quitté le territoire et À plusieurs à reprises. plusieurs reprises, voilà, auraient fait des allers-retours. Donc, bravant le contrôle judiciaire au-delà, voilà. Moi, je pourrais pas l'affirmer moi-même, hein, donc Ouais. voilà. Mais Mais j'ai il y déjà avait des entendu. informations qui allaient dans ce sens-là, quoi. Oui. Donc c'est quand même une affaire. Et c'est quoi les. Parce qu'on sait qu'il y a sur. Alors cette affaire, on a l'impression que les choses ne bougent pas normalement. Alors je veux dire, sur une affaire aussi grave, si on va dire, je vais faire l'avocat du diable, mais on peut imaginer quand même dans le cas contraire, Exactement. Ouais. ça Je aurait voulais le été. dire Parce après, par la que suite. l'appartenance en fait des belligérants, elle est quand même importante. On ne peut pas Quand la même. soustraire quand même à la compréhension de l'affaire. Ce serait hypocrite de pas en parler. Bah, en fait, il a été dit que bah, un des agresseurs présumés, notamment celui qui était là depuis le départ, en fait, de la bagarre, de l'altercation, Ouais. n'avait pas de rapport avec les mouvements radicaux sionistes. Mais il y a un journaliste de Libération, en fait, qui répond au droit de réponse justement de cette personne concernant son article, qui dit que bah, c'est bizarre quand même, parce qu'il tenait beaucoup de propos contre les musulmans sur sa page, et qu'il l'aimait, il likait la page Le sionisme par passion. Donc c'est quand même étrange que le juge n'est pas noté ce fait, quand même. Voilà. Pour lui, le juge, en fait, il considère, il n'a pas considéré en fait qu'il y avait Un des lien. considérations racistes, par exemple, dans cet acte. Voilà, il n'a pas Toute considéré. forme de Non. d'acte raciste a été Voilà, ça a été écarté. écartée du dossier. Voilà. On parle d'un fait divers, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà, Saïd s'est Presque, j'ai noyé. presque envie de dire un accident quand Il on s'est me. noyé. Il s'est Ouais, noyé. Voilà. ouais. Je sais pas, enfin, je sais pas si c'est déjà arrivé quelque chose de similaire pour d'autres affaires, même sans histoire de racisme. Que quelqu'un se fasse pourchasser, agresser très violemment et qu'on le retrouve mort noyé par la suite, et qu'il n'y ait pas plus de que les choses n'aillent plus vite, pas plus vite en fait. Et c'est quoi on va dire les tenants judiciaires aujourd'hui, puisque j'ai appris qu'il n'y avait pas eu de reconstitution, que c'est quoi, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe au niveau du dossier? Il n'y a pas eu de reconstitution, il n'y a pas eu une autopsie faite par un médecin légiste. Hein. Pourquoi? C'est-à-dire il y a une autopsie, mais pas C'était un par un médecin médecin. légiste, c'est un médecin normal? Comment ça? Alors ça, peut-être que Maître Danglant va prendre un peu la parole. Je pense que c'était la personne qui a fait l'autopsie n'était, semble-t-il, pas médecin légiste. Et je crois que c'était un médecin d'une organisation de médecine d'urgence, SOS médecin ou quelque chose de cette nature, quoi. Ah oui, Donc donc. il y a eu une critique qui a été formée sur la conduite de ces opérations d'autopsie, je crois. Parce que normalement, ils ont une obligation, que ce soit un médecin légiste, non, normalement, c'est quoi? Ah, c'est pas forcément une obligation légale, ça? Je pense que si, mais un médecin, je ne vois pas un médecin ordinaire
s'occuper de ce genre de questions. Hein. Oui, parce que c'est très spécialisé quand même, une autopsie. C'est une médecine particulière. Quoi. Parce que c'est très important, le rapport médical, c'est ce qui va, c'est sur quoi on va s'appuyer quand même pendant le procès. Effectivement, l'autopsie a une importance puisqu'elle permet de déterminer en quelque sorte les causes de la mort, les causes ou les circonstances de la mort, et d'orienter plutôt vers telle hypothèse que vers une autre hypothèse. Ouais. Donc c'est déterminant quand même. Ouais. Et la reconstitution aussi, ça c'est pas obligatoire, c'est ça qu'on est étonné qu'il n'y ait pas eu de reconstitution. C'est-à-dire que le juge d'instruction a l'obligation de rechercher la vérité en quelque sorte. Mais dans cette affaire, effectivement, on déplore qu'il n'y ait pas eu de reconstitution. Je crois qu'il y a une affaire récente qui a défrayé la chronique, sans entrer dans les détails. Deux personnes, eh bien, il y a eu, pour une affaire concernant deux personnes, une reconstitution. Qui a permis de, certainement, de préciser à tout le moins les circonstances de l'affaire. Ouais, parce que là, cette affaire de Boirache, c'est ça, c'est étonnant, c'est de voir, soit j'ai pas l'impression que c'est des dysfonctionnements, ou alors quoi, on essaie de ralentir. Il y a aussi quelque chose qui est étrange, c'est un des collègues de Saïd qui était présent, qui s'est fait agresser également, et qui n'a pas porté plainte finalement. Donc c'est, je trouve ça plutôt étrange. Pour ce genre de dossier, on a un collègue qui meurt, on est agent de sécurité, on a un collègue qui meurt, sûrement un ami, mais on ne porte pas plainte. Oui, c'est bizarre, c'est étrange. Ça peut, ouais. Voilà, et vous êtes jamais rentré en contact avec lui pour savoir, essayer de comprendre? On n'a pas réussi encore, on a essayé de voir ça avec Nathalie Potignon, donc la veuve de Saïd, et pour l'instant, on n'a pas encore réussi à rentrer en contact avec lui. D'accord. Ah, parce que c'est... Il y a d'autres... Apparemment, il y a eu des problèmes avec d'autres témoins aussi. Ah ouais, c'est-à-dire d'autres témoins qui n'ont pas voulu aller à la barre aussi. Voilà. Ensuite, des gens qui avaient vu des choses, des ouvriers qui avaient vu quelque chose sur un toit. Voilà. Enfin, il y a plein de zones d'ombre dans cette affaire. Alors, mais comment on sait que ces gens-là ont vu quelque chose? Parce que dans les premiers temps, ils ont déposé. Il y a eu une déposition. Ouais. Je pense qu'il y a eu des personnes effectivement qui auraient pu être entendues et qui auraient certainement apporté des précisions sur les circonstances de cette affaire. Effectivement, en gros, personne n'a rien vu, quoi. Personne n'a rien vu. Pratiquement, personne n'a rien vu, rien entendu. Hein. Ouais. Donc on a quasiment donc pas de témoins. On a des accusés qui se donnent une version, on va dire, des choses. Oui. Un juge... On fait la garde à vue tous ensemble. Ah oui, ça c'est bizarre aussi, ça. C'est, voilà, des accusés, les prévenus, voilà, on fait la garde à vue tous ensemble. Voilà. C'est-à-dire, donc, ils peuvent se mettre au point, ce qu'on n'a jamais vu. On sait que jamais vu, et apparemment... C'est le béaba de la garde à vue, on sépare les gens pour pas qu'ils soient entendus dans des pièces séparées, bah, pour voir si tout concorde. Voilà. Alors, c'est le béaba, ça, du travail de policier, normalement. Ils auraient même reçu de la visite pendant leur garde à vue. Ah bon? Ouais. Ça a déjà été évoqué plusieurs fois lors de nos soirées. Une visite de Samy Gozan. Ah d'accord, ouais. Voilà. Ouais, un personnage qu'on connaît bien ici. Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont étranges. Voilà. Ouais. Bah, c'est quoi alors? Comment on peut l'interpréter ça cette... Bah après... Ça, c'est notre intuition, on pense des choses, c'est à la justice d'établir la vérité, mais on a du mal à avoir confiance, enfin moi personnellement, je pense que je ne suis pas le seul en France, à avoir une totale confiance en la justice, vu le nombre d'affaires qui posent problème, hein, de gros problèmes. Donc, Maître Dangléan en est l'exemple récemment. Ah bah oui, on va en parler aussi, hein, c'est parce que ça, c'est qui en plus, Maître Dangléan, voilà... devait être l'avocat de Nathalie Potignon au sujet de l'affaire Bourg-Arrache. Et là, tout d'un coup, c'est remis en question. Il va falloir trouver un autre avocat. Voilà, il y a toujours des choses qui ne vont pas dans ce dossier. Ouais, alors, toi, François, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la dictature des juges. Hein. On a repris ton expression, ouais. Mais c'est une véritable dictature là qui s'abat sur la France, qui est vraiment... Plus ça va, plus en fait, son masque tombe et elle apparaît, j'ai envie de dire, avec son vrai visage. Mais ton cas est assez éloquent, puisqu'il y a eu une interdiction donnée par un juge
l'instruction dans une affaire, hein, j'ai envie de dire pareil, qui est pour le moins trouble, très douteuse. Et il semble, à ce que tu nous expliques, qu'un juge d'instruction n'en aucun cas ne peut empêcher un avocat d'exercer, que c'est interdit. Ça lui est interdit, oui. C'est un texte qui remonte à plus de... aux années 2002 ou 2003, je crois. C'est l'article 138 donc, du Code de procédure pénale. Un juge d'instruction peut, dans une affaire, interdire à une personne d'exercer sa profession lorsqu'il y a une nécessité en relation avec les faits. On peut penser à des éducateurs qui seraient mis en cause dans des affaires de maltraitance ou des affaires sexuelles sur des enfants. Hein. Et bien, dans ce cas-là, le juge d'instruction, bien entendu, va interdire à cette personne d'exercer une profession en relation avec des enfants. Ça paraît tout à fait logique. Cet article 138 du Code de procédure pénale interdit à un juge d'instruction d'interdire à un avocat d'exercer sa profession. D'accord. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. Ça devrait régler donc, le problème. Le problème est effectivement assez simple. Nous payons des impôts pour que des procureurs requièrent l'application de la loi et pour que des juges appliquent les lois et respectent les lois, tout le moins. Eh bien, aujourd'hui, c'est le contraire. Ils sont deux. Hein. C'est une juge d'instruction qui s'appelle Madame Sabine Kéris et un deuxième juge d'instruction qui s'appelle Cyril Paco. Voilà. Donc, ils ont... en gros, je suis mis en examen pour vol d'un dossier qui m'appartient. Ouais. Voilà. Alors, lui, ça, c'est... Alors, c'est assez... Parce que tu sais, il y a une vidéo d'ailleurs que j'invite tout le monde à regarder, que tu as réalisée, et vidéo. Que tu soulèves comme ça, mais des points de droit, mais qui sont en plus presque d'une évidence, je veux dire, pour le béaba du sans avoir fait de, je veux dire, de fac de droit, on comprend bien que pour avoir la propriété, il faut une personnalité juridique, et qu'en fait, tu nous expliques que ce conseil de discipline n'a pas la personnalité juridique pour posséder quoi que ce soit, donc par définition, ça, il ne peut pas être le propriétaire de ce dossier, quoi. Enfin, que c'est une aberration totale. C'est exactement cela. C'est une affaire qui a été montée par le procureur de Paris, M. François Molins. Et donc, je suis accusé d'avoir volé un dossier de procédure au détriment du Conseil régional de discipline. Alors, il faut savoir que cette juridiction n'a ni la personnalité morale, ni la personnalité civile. Comprendre que cette juridiction ne peut pas avoir de patrimoine. Elle ne peut même pas être propriétaire d'un stylo. Parce qu'elle n'a pas la personnalité juridique. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc celui qui ne peut pas être propriétaire d'une chose, eh bien, on ne peut pas lui voler quelque chose dont elle ne peut pas être propriétaire. C'est aussi simple que cela. Alors, en réalité, ce qu'il faut comprendre, mais manifestement, ça dépasse l'entendement pour le procureur de Paris, M. François Molins, ça dépasse l'entendement pour la juge d'instruction Sabine Kéris et pour le juge d'instruction Cyril Paco. Ces conseils de discipline, ce sont des juridictions civiles. Et dans une juridiction civile, chacun apporte son dossier. Donc ici, d'un côté, le bâtonnier Robert Feller qui apporte un dossier d'accusation. Et puis, de mon côté, j'apporte un dossier écrit pour soutenir mon argumentation. Alors, le dossier d'accusation qui est déposé par Robert Feller, on le voit sur la vidéo, il est posé devant lui. C'est un dossier de couleur jaune dans lequel se trouve donc l'acte d'accusation, le rapport disciplinaire, la citation à comparaître et puis les pièces de la procédure. Et ce dossier est resté devant lui durant toute l'audience. Personne n'a mis la main dessus. De mon côté, j'avais apporté mon dossier pour soutenir mon argumentation avec des écritures. Une récusation, des pièces de procédure qui vont avec la récusation, des conclusions et des pièces. Et c'est donc ce dossier que j'ai pris qui est ma propriété. C'est un dossier qui m'appartient. Donc aujourd'hui, le procureur de la République de Paris, François Molins,
m'accuse d'avoir volé mon propre dossier. On ne peut pas le vol, c'est s'approprier frauduleusement de la chose d'autrui. Donc ce dossier m'appartient. Donc c'est pas possible de venir expliquer qu'il y aurait une infraction et un vol. Et puis surtout, bon bah écoutez, devant ces juridictions civiles, lorsque la procédure est terminée, eh bien la juridiction renvoie aux différentes parties leur dossier de procédure parce qu'il leur appartient. Donc aujourd'hui, je suis pourchassé par deux juges d'instruction et par le procureur de Paris, François Molins, pour avoir commis une infraction inexistante. Et ils ont profité de cette situation. J'estime qu'il s'agit d'un coup monté, de toute pièce. Ils ont profité de cette situation pour me placer sous contrôle judiciaire. Et donc je n'ai pas le droit de rencontrer le fameux François Détton, le faux président du conseil de discipline. Je n'ai pas le droit de le rencontrer. Si je le rencontre, eh bien, il va téléphoner immédiatement à cette juge d'instruction pour expliquer que je l'aurais bien sûr insulté, inventé, que je l'aurais insulté, et je suis jeté en détention provisoire. Donc je ne peux pas me rendre au tribunal de grande instance de Bobigny parce que j'ai toutes les chances de le croiser. Je ne peux pas me rendre à l'ordre des avocats de Bobigny parce que j'ai toutes les chances de le croiser. Et en plus, donc ces deux juges d'instruction m'ont interdit d'exercer la profession d'avocat. Ce qui est... Ah ben En violation quand même de la loi, c'est ça qui... En violation de la loi, oui, mais il faut bien comprendre qu'en France, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Nous ne sommes pas un état de droit, nous ne sommes pas une république, c'est un état de fait, c'est un goulag à ciel ouvert. Donc, vous voulez dire autre chose ? Juste une dernière chose, donc je suis emporté, menotté dans le bureau de ces juges d'instruction. Qu'ils sont venus à 6h chez toi. Ah oui, matin, ils sont venus à 6h chez moi. Enfin, ces deux juges d'instruction ont envoyé des policiers m'interpeller chez moi à 6h du matin. Donc j'avais des affaires à défendre pour des clients, je n'ai pas pu assister, les représenter, les assister, tant pis pour eux. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, je suis jeté dans une cellule pendant 3h. Et au bout de 3h, vers 10h, je suis menotté et transporté dans le bureau de ces juges d'instruction. Et tout cela pour une infraction imaginaire. Je crois qu'il y a une célèbre nageuse qui a été interpellée il y a 2 ou 3 jours, je crois que c'était la sortie de Disneyland ou quelque chose comme ça, pour un vol de 200 euros de produits, on lui a fait un rappel à la loi. Hein, c'était rien du tout, alors que apparemment le vol était caractérisé. En ce qui me concerne, pas d'infraction et un coup monté de toute pièce pour la finalité, c'est de me placer... artificiellement et sans aucune raison, sous contrôle judiciaire, pour pouvoir m'interdire illégalement d'exercer la profession d'avocat. Alors, l'interdiction temporaire d'exercer pour un avocat relève de la compétence exclusive du Conseil de l'Ordre du Barreau, dans lequel il est inscrit, après convocation 8 jours à l'avance, et après avoir été entendu. Eh bien là, rien de tout cela n'a été respecté en ce qui me concerne. En gros, on nous considère, nous les gens des banlieues, des cités, comme des sous-hommes. Hein, nous sommes revenus à cette caractéristique, les Untermenschen. C'est pas autre chose. Donc je rentre dans le bureau de ces deux juges d'instruction à 10h30, je ressors 10 minutes plus tard, je n'ai plus le droit d'exercer la profession d'avocat. Tout est illégal. Tout est frauduleux et on n'a pas d'autorité pour faire le nécessaire, pour rétablir la légalité républicaine. Alors ce qu'on fait, c'est, j'ai fait donc un acte pour demander à ces juges d'instruction de lever, dans un premier temps, cette interdiction qui est manifestement illégale. Le juge d'instruction a 5 jours pour prendre sa décision, c'est-à-dire jusqu'au 17 décembre au soir, et ensuite... Si le juge d'instruction n'a pas pris de décision, il ne prendra pas de décision, bien sûr, puisque ce sont des juges d'instruction qui sont aux ordres, hein, non pas aux ordres de la loi ou aux ordres du peuple, mais aux ordres de ceux qui se sont emparés du système, c'est-à-dire de ceux qui se sont installés à leur compte au sein de nos services publics, et en particulier au sein du service public de la justice.
Donc au bout de le 17 décembre prochain au soir, ces juges d'instruction n'auront rien fait. Alors là, j'aurai le droit de saisir la chambre de l'instruction pour effectuer la même demande. Mais la chambre d'instruction aura 20 jours pour prendre une décision. Et si cette juridiction n'a pas pris de décision dans les 20 jours, alors automatiquement, ce contrôle judiciaire perdra toute efficacité. Mais enfin, ça va nous amener au 7, 8, 9 janvier 2015. Voilà. C'est les circonstances dans lesquelles chacun peut comprendre que cette histoire de justice, ces histoires d'avocats, ces histoires de droits de l'homme, c'est de la poudre aux yeux, ça n'existe pas. Hein, c'est la comédie. Ouais. Donc ça nous pose problème un petit peu en tant que représentant de l'association Justice pour Saïd, parce que on avait commencé à payer Maître Dangléan pour s'occuper de défendre Nathalie Potignon. Donc s'il est radié, ça nous ferait pas du tout plaisir. Il faut le soutenir. Demain matin, d'ailleurs, tu as besoin que les gens viennent. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse exactement et l'heure? Oui, on peut rappeler ça. Alors si vous voulez, c'est juste d'instruction en quelque sorte. Fait une sorte de putsch judiciaire. Hein. Pour prendre un petit peu d'avance, ouais. Parce que demain matin, je suis convoqué devant encore un pseudo-conseil de discipline, une sorte de section spéciale siégeant en matière disciplinaire sans droit ni titre. Ce n'est pas la juridiction légale, c'est une juridiction, une juridiction d'opérette dans le style Luis Mariano, hein, ça va pas plus haut que ça. Hein. Et donc, ils espèrent pouvoir me radier, mais bon, Je pourrais faire appel, et l'appel est suspensif, et il est certain que la cour d'appel annulera toute cette procédure d'opérette mise en place par, des factieux. Hein, des factieux qui se sont emparés d'une partie de la souveraineté nationale, qui ont fabriqué leur petite juridiction malhonnête, et sans aucune base légale, pour prendre de fausses décisions. Alors que fait le procureur de la République François Molins? Apparemment c'est un ami de M. François Détton. Ah, de M. Détton, fameux François Détton. C'est toute la difficulté. Ouais. Que fait le procureur général de la Cour d'appel de Paris? On n'en sait rien. Toujours est-il que dans ce pays, les gens peuvent bien comprendre que lorsque l'on a affaire à la justice, rien ne s'arrange. Au contraire, tout s'aggrave. Tout s'aggrave, ouais. Rien ne s'arrange, tout s'aggrave. C'est quand même... Je trouve absolument surréaliste. C'est-à-dire un juge d'instruction qui prend donc des décisions comme ça qui sont, comme tu nous l'expliques, une disposition contraire à la loi. Il y a une chance qu'il soit puni un jour, qu'on le rattrape, ce monsieur? Ah non, non, qu'il non. Qu'il a à s'expliquer, je ne sais pas, non? Ah non, non, il ne sera pas sanctionné, au contraire. Il ne sera pas sanctionné, non seulement il ne sera pas sanctionné, mais il sera décoré. Il va avoir, c'est la médaille du mérite. C'est la prime à la malhonnêteté. La mère a du mérite, c'est la Légion d'honneur. Je peux vous donner un exemple très simple qui va fixer le cadre et l'affaire dont il s'agit. En 1995, une juge qui s'appelle Nicole Cochet a fabriqué un faux jugement. C'est-à-dire que dans son bureau, au lieu de tenir audience, au lieu de convoquer les parties, au lieu de tenir audience, elle a dans son bureau fabriqué un faux jugement. Et il n'est pas difficile d'en parler. On ne risque pas d'être attaqué puisque ce faux jugement a été jugé faux en écriture authentique. Ouais, ouais. Voilà, hein, on n'est pas en aucun risque là. Donc le faux jugement, c'est un jugement du 15 mai 1995 et le jugement qui juge faux en écriture authentique, le premier jugement, c'est un jugement du 12 novembre 1998. Ça se passe à l'époque au tribunal de grande instance de Bordeaux. Bon, que se passe-t-il ensuite? Mais cette juge n'a pas pu être sanctionnée. C'est la fameuse affaire du bon docteur Michel Pinturo, qui est en procédure, qui avait créé des sociétés qui sont en procédure collective, c'est-à-dire en liquidation judiciaire depuis 20 ans, 20 années, à cause de ces faux jugements. Voilà. Comment ce monsieur se retrouve avec sa vie complètement prise en otage parce que une juge a, dans son bureau, fabriquer des faux jugements. Pas de sanctions disciplinaires, hein,
pas de sanction pénale, parce que le docteur Pinturault a essayé ensuite de la faire poursuivre devant la cour d'assises, ça n'a pas été possible. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes a dit non, il n'y a pas d'infraction pénale, il n'y a rien du tout, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, petite précision, cette juge qui s'appelle Nicole Cochet, elle a ensuite été nommée à une direction au ministère de la Justice. Elle était directrice des affaires européennes sous Michel Mercier en particulier. Quand le directeur de cabinet était François Molins. Eh oui, mais la boucle est bouclée. Ouais, donc c'est une espèce de... C'est un peu toujours les mêmes noms, c'est ça que mais t'en ce sont, de... apparemment, ce sont des gens qui sont pas très nombreux, mais qui se connaissent. Et puis, ben c'est normal, quand on travaille ensemble, on se connaît. Mmh. Et puis qui finissent par, peut-être même sans savoir, sans s'en rendre compte, à s'installer à leur propre compte dans nos institutions. Parce que les palais de justice, les tribunaux, le ministère de la Justice, c'est chez nous, c'est pas chez eux. Mais ils ont un petit peu oublié que ils sont là pour servir le public et non pas pour se servir. Et c'est quoi le rôle de Robert Feller dedans? Parce que c'est le bâtonnier, c'est ça, Robert Feller? Voilà. Alors, Robert Feller, donc, qui est-il? C'est un avocat qui est inscrit, qui exerce sa profession à Montreuil. Il a un petit cabinet d'avocats à Montreuil. Et il exerce la fonction de bâtonnier. Le bâtonnier exerce des missions de service public. C'est-à-dire, il est juge du contentieux des honoraires entre un avocat et son client. Il est en plus procureur disciplinaire. C'est lui qui a le droit de porter des accusations contre un avocat. Alors, si on a envie de... Si un avocat qui dérange, si un avocat qui n'accepte pas supporter, de subir et d'accepter les pressions et les menaces qui lui sont adressées, eh bien, on va inventer de fausses accusations et engager une procédure disciplinaire à son encontre pour le dégager. On est sur une confusion totale entre déontologie des avocats et déontologie des proxénètes. Hein. C'est carrément des affaires de proxénétisme à ce niveau-là. Hein. Donc, ce Robert Feller a donc engagé une première portée de fausses accusations à mon encontre pour engager une procédure disciplinaire. Alors, les fausses accusations, c'est, par exemple, je ne lui ai pas demandé son autorisation pour délivrer une assignation dans un dossier. Comme si j'avais besoin de demander son autorisation à la mouche du coche, en quelque sorte. On est sur ce genre d'accusations complètement débiles, quoi. C'est complètement débile, j'ai pas besoin de demander l'autorisation du bâtonnier pour délivrer une assignation dans un dossier pour monsieur Pierre-Paul Jacques, quoi. Hein, on en est là. Et pour en revenir à l'affaire Bourrarache, oui. Excusez-moi. Prends le micro parce que sinon... Pour en revenir à l'affaire Bourrarache, quelles sont les démarches que vous avez pu effectuer déjà? Est-ce que vous avez eu des réponses? Si on n'a pas eu le temps d'en discuter. Et comment vous envisagez la suite du coup? La suite, si je ne peux pas, comment dire, si je ne réussis pas à recouvrer la possibilité d'exercer la profession d'avocat, la suite va être difficile. Pour moi, je ne pourrai plus intervenir. Puisque, vous l'avez bien compris, c'est presque une faveur qu'on me fait, là, en me disant, vous êtes sous contrôle judiciaire, on vous interdit d'exercer la profession d'avocat illégalement, mais si vous n'obéissez pas à nos injonctions, vous êtes en prison. Non, mais on en est là, quoi. C'est une dictature. Nous sommes dans une dictature avec des gens qui exercent des missions de service public et qui n'ont aucun compte à rendre à personne. Alors, dans cette affaire Bourrarache, si je ne réussis pas à renverser les mesures illégales qui ont été prises à ce jour, eh bien, je ne peux plus travailler. Autre précision, donc ces deux juges d'instruction m'interdisent d'exercer la profession d'avocat illégalement, mais ils s'adressent également au bâtonnier pour lui demander de saisir le Conseil de l'Ordre pour me placer en suspension provisoire. Mais ça, c'est, pendant 4 mois. J'ai envie de dire, c'est pas leur problème, ça. Ils n'ont pas, c'est pas des juges de saisir le bâtonnier. On n'a jamais vu ça. Dans un état de droit normal, non. Ouais. S'ils s'aperçoivent que un avocat roule en état d'ébriété, vient d'écraser 3 personnes et se conduit de façon absolument invraisemblable, ça paraît logique. Mais de là à inventer de fausses accusations pour ensuite pouvoir dire au bâtonnier, ben attendez, celui-là nous dérange, en fin de compte, mettez-le en suspension provisoire. Donc,
Je peux être placé en suspension provisoire peut-être fin décembre ou début janvier sur la demande de ces deux juges d'instruction qui eux-mêmes agissent sur les instructions du procureur de Paris, M. François Molins. Donc ça, mais ça vient de très haut, c'est parce que les procureurs, tout le monde, allez, on va pas se leurrer, on sait très bien que un procureur, il est inféodé au ministère. Donc ça veut dire que c'est la hiérarchie même de l'administration judiciaire qui est en branle, puisqu'un procureur, j'ai envie de dire, c'est le ministre qui l'appelle, limite, quoi. Oui, l'organisation, les procureurs de la République, procureurs généraux, sont en principe sous l'autorité et sur les instructions du ministre de la Justice. Alors, on nous explique que le ministre de la Justice ne donne plus d'instructions. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais enfin, je crois qu'un ministre de la Justice qui s'aperçoit que dans une juridiction, un procureur fait tout et n'importe quoi, eh bien, doit intervenir, à tout le moins, pour l'écarter. Ouais. On va dire, bon, maintenant, terminez, vous dégagez de ce poste. Et puis, venir s'expliquer devant le public. C'est la difficulté institutionnelle principale que nous avons actuellement. C'est que nous avons des personnes qui accèdent à des responsabilités et qui vont exercer des missions de service public, qui commandent la police nationale, qui dirige les procureurs, procureurs généraux, les substituts, et on ne peut pas les sortir du système lorsqu'on s'aperçoit qu'ils, comme dans l'affaire Nicole Cochet, viennent fabriquer des faux jugements. Bon, alors, on se prétend le pays des droits de l'homme, mais moi j'ai vu une affaire de même nature que l'affaire de la juge Michel Peinture, juge Nicole Cochet, qui a fabriqué deux faux jugements. J'ai vu une affaire de même nature qui s'est produite en Ukraine. Eh bien, ce juge a été viré de la magistrature. Et chez nous, on n'est pas viré de la magistrature, on reçoit des récompenses. Médaille du mérite. Et cette juge... Des belles promotions. Alors ensuite, dans les pages de justice, tout le monde rigole. Parce que j'ai dit, regardez, tiens, ah ben, Madame Intel, Madame Nicole Cochet a fabriqué des faux jugements. Au lieu de se retrouver en prison... Elle a eu de la promotion. L'interdiction d'exercer son métier, normalement. Normalement, elle aurait dû être sortie du système. Donc, elle n'a pas été sortie du système. Et non seulement, elle a été récompensée par une nomination à une direction des affaires européennes au ministère de la Justice, mais ensuite, ça a commencé à faire un petit peu de scandale, elle avait été nommée experte à la Cour suprême d'Ouzbékistan pour préparer la réforme pénale en Ouzbékistan. Alors c'est sûr que si on envoie des faussaires pour réformer la procédure pénale en Ouzbékistan, ils sont bien partis. Non, mais on en est là. Et attendez, c'est pas tout. Sur un programme financé par l'Union européenne, bien évidemment. Sur un programme financé par l'Union européenne, Madame Nicole Cochet, lorsqu'elle était là-bas en Ouzbékistan pour préparer la réforme pénale, devait percevoir au moins peut-être 15 ou 20 000 euros par mois. Hein. Ouais, voilà. Comment on récompense les gens qui bidouillent? J'avais une autre question. Et du coup, les procédures que vous avez lancées, déjà concernant l'affaire Bourarache, est-ce que la justice leur donnera suite, même si vous si dans le cas où vous seriez radié? D'abord, je ne vais pas être radié, mais j'ai commencé à travailler sur ce dossier, je ne peux plus travailler aujourd'hui, donc j'arrête tout, c'est tout. Hein. Ouais. Il faudra rapidement trouver quelqu'un d'autre si... Oui, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. Est-ce que la justice va quand même prendre en compte les procédures? Alors, la justice, la justice se moque des justiciables. La justice, elle est pour eux aujourd'hui. Ils ont pris en otage le système.